Bonjour à tous. Dans ce tutoriel des ClioNotes destiné à l'utilisation du géoportail, le site de l'IGN, nous allons dans cette deuxième partie nous intéresser aux fonctionnalités Web 2.0 du géoportail. Le Web 2.0 consiste en ces sites internet qui permettent d'ajouter du contenu simplement et de le partager tout aussi simplement. Donc nous allons travailler à partir de la ville de Lectoure que j'ai préalablement agrandie en photo aérienne et nous allons essayer de faire ce que pourrait faire un élève, c'est-à-dire un petit croquis de localisation des principaux espaces. Pour cela, l'élève peut avoir au préalable réalisé une légende pour savoir ce qu'il veut faire figurer et nous allons placer le contenu des différentes informations de la légende sur la photo aérienne. Alors, dans un premier temps, je voudrais rajouter le Gers que je vois apparaître ici. Pour cela, je vais utiliser le panneau de gauche du milieu et je vais utiliser le réseau hydrographique en faisant apparaître l'hydrographie. Et le Gers apparaît bien nettement, ainsi que les petits ruisseaux qui s'y jettent, notamment celui-ci où on reconnaît un lac de barrage collinaire caractéristique du Gers. Je souhaiterais aussi faire apparaître la RN 21, qui est la route principale qui traverse Lectoure et relie Auch à Agen. Et donc, de la même façon, je vais procéder avec le réseau routier en faisant apparaître les routes. La RN 21 apparaît bien, mais elle n'est pas seule, elle est accompagnée de la route secondaire qui va à Condom, mais aussi de toutes les principales rues de Lectoure, ainsi que des petits chemins. Le croquis serait encombré si je gardais tout cela, il perdrait de sa clarté. Ce qui m'intéresse, c'est la RN 21. Je vais donc utiliser les outils de dessin pour retracer à la main la RN 21 et supprimer ensuite le réseau routier. Pour cela, j'utilise le panneau de droite. C'est ce panneau qui nous donne les fonctionnalités Web 2.0 et je vais utiliser le dessin sur la carte. Je clique sur le petit crayon et on me propose de créer un croquis, ce que je fais. Mon croquis, je vais l'appeler Lectoure. OK. Et des outils de création apparaissent. Le plus simple est d'utiliser le dessin à main levée. Donc je clique sur le crayon dessin à main levée. Je clique ensuite, alors vous remarquez que le pointeur a changé, il y a maintenant une petite croix. Je clique une seule fois et ensuite je glisse ma souris en essayant de suivre le mieux possible. Ça n'est pas toujours facile et je ne vais pas le faire mieux que ne le ferait un élève. Le trajet de la RN 21. Quand c'est terminé, je clique deux fois. Le trajet de la RN 21 apparaît en bleu. Il est à peu près convenable. Et donc, je vais supprimer maintenant le réseau routier. Je ne suis pas satisfait du fait que le trait soit bleu. Je veux donc modifier ce trait, j'aimerais bien le faire apparaître en rouge. Pour cela, je peux changer l'apparence avec un outil de modification. Une fois que j'ai choisi cet outil de modification, je me remets sur mon trait bleu, je clique deux fois et apparaît une petite fenêtre d'édition de style. Je vais choisir dans la cage remplissage une couleur rouge et je vais, pour que ça se voit mieux, augmenter la taille du trait et le passer à 6 pixels. Alors, voilà, 6. Et le trait a une taille qui me convient. Je peux fermer l'éditeur de style. J'avais précisé la dernière fois que la ville se divisait en deux grandes parties, une vieille ville d'époque médiévale qui se trouve ici et une ville plus récente avec des lotissements qui se trouvent plus à l'est. On n'avait pas précisé ça la dernière fois, mais vous remarquez qu'il y a une petite zone commerciale et artisanale qui se trouve en contrebas de la ville de Lectoure qui est sur un promontoire. Donc nous allons faire apparaître ces différents espaces. Je vais procéder de la même façon que j'ai procédé pour la RN 21 pour la vieille ville, c'est-à-dire la cerner d'un trait mais d'une autre couleur. Donc je reprends mon outil de création à main levée
et j'essaye d'être relativement précis, ce qui est quand même une des difficultés avec la souris, et j'encadre cet éperon rocheux où se trouve la vieille ville de Lectoure. Je double-clique, je procède de la même façon, je change l'apparence. Cette fois-ci, je vais mettre du orange et je vais remettre 6 pixels de tour. Je ferme l'éditeur de style. Dans cette vieille ville, un bâtiment important et caractéristique qui se trouve ici est la cathédrale. Je souhaite localiser cette cathédrale, cette ancienne cathédrale, Lectoure n'est plus un évêché, et je vais pouvoir réaliser un figuré ponctuel avec cet outil qui est l'outil point, et je vais donc mettre un point à la place de la cathédrale. Je peux modifier de la même façon ce point. Voilà. Donc j'ai le choix entre plusieurs types d'icônes. Je vais choisir la croix. Pas très visible. Donc je vais choisir un petit rond. Je ne peux pas changer la taille de ce rond. Par contre, je peux lui donner... à la place du cercle choisir une couleur, ça va me donner un carré de couleur, donc là il est noir. Comme je ne peux pas changer la taille, je vais choisir un violet qui est relativement visible. Je ferme l'éditeur de style. Ensuite, je vais utiliser un autre outil. Cet outil va me permettre de remplir un espace facilement. C'est l'outil polygone, qui est un outil classique qui se trouve ici. Je clique dessus. Ensuite, un premier clic, je déplace, un second clic, je déplace, et à chaque fois, je clique pour constituer mon polygone. Je vais essayer de suivre relativement précisément le trajet du contour de cette zone artisanale et industrielle. Voilà, et je l'ai en bleu, c'est relativement acceptable. La transparence me permet de voir en dessous ce qu'il y a. Je vais conserver ce bleu. Je vais faire de même avec la partie plus récente de la ville. Un polygone. Je ne vais pas faire rentrer dedans en le lisser que nous allons faire apparaître distinctement. Voilà. Hop, je considère que c'est acceptable. Je termine et j'ai de nouveau mon polygone en bleu. Je souhaite avoir une couleur différente puisque la fonction est différente du précédent polygone. Je change l'apparence, je clique deux fois. Je peux travailler sur la bordure ou je peux travailler sur le remplissage. Ici, le remplissage va me suffire. Je vais choisir une couleur qui est en relation avec ce que j'ai mis pour la vieille ville. Pour évoquer quelque chose de plus récent, je vais mettre du jaune. Et voilà, j'ai la ville plus récente qui est mise en jaune. Je souhaite marquer l'emplacement du lycée d'une façon assez évidente, et donc je vais le désigner comme tel en écrivant sur la carte avec une couleur. Ce qui est ici est un artefact et va être supprimé tout seul. Voilà. Donc je choisis le trait, la ligne. Et je fais une ligne en direction de mon lycée. Cette ligne bleue est relativement fine, on n'y voit pas grand-chose. Je modifie son apparence.
je choisis de mettre un trait beaucoup plus épais, je vais choisir 8, et je vais, pour localiser le lycée, utiliser une flèche, ce qu'on appelle dans ce site un embout de ligne, et je vais le mettre au début. Donc je vais visualiser le lycée avec une flèche. Je la conserve en bleu ou je change la couleur. On va essayer le noir. Voilà, on va la mettre en noir. Et on va considérer que ça convient comme ça. Je vais pouvoir écrire directement sur la carte qu'il s'agit du lycée. Pour ça, j'ai un outil qui est l'outil texte. Je clique dessus. Je localise mon texte. Et je rentre mon texte. Il s'agit du lycée Maréchal Lannes. OK. Ah, voilà, le lycée Maréchal Lannes apparaît. Je pourrais rajouter d'autres éléments. Je vais considérer que pour un premier petit croquis avec des élèves, par exemple, du collège, cela peut s'être convenir, cela peut être satisfaisant. On travaillera ensuite sur la légende. Je range mon outil dessiné sur la carte et maintenant je peux soit imprimer, soit exporter, soit partager ce croquis. Si je clique sur imprimer, on va me proposer un titre, croquis de lecture. Je pourrais mettre un commentaire, je choisis l'orientation, portrait ou paysage, je vais choisir paysage et je vais faire imprimer et on me précise que cette impression va se faire sous forme d'une feuille PDF, ce qui n'est peut-être pas optimal parce que cela va rendre un peu plus compliqué des modifications ultérieures avec un autre logiciel, mais je n'ai pas d'autres possibilités. Donc je choisis imprimer et un nouvel onglet s'ouvre sur le côté de mon site internet, ce qui va me permettre, si ça marche, et ça n'a pas marché, d'avoir mon PDF qui va s'afficher. Bon, c'est un échec, tant pis. Alors, je peux aussi partager sur Facebook, poster sur Twitter, envoyer par email. Et j'ai aussi la possibilité d'enregistrer, hein, si je le souhaite, ce document. Alors enregistrer, lien permanent vers la carte. Bon. Pas.